you. Et salut à tous, c'est Torrent sur Ivasun dans le regard dans le rétro pour Pokémon Vert. On se retrouve dans la ville où on s'est arrêté le dernier coup. Et je vous avais dit que j'allais faire ma roue cool, ce qui a été fait, tout simplement, que j'étais tout à l'heure revité le farm en haute herbe, et je l'ai chopé au niveau 5. Donc je l'ai monté, il y a Salamèche qui a aussi pris 2 niveaux il me semble. Et il faut savoir que le roue cool, j'en ai juste chié à mort pour l'avoir quoi. Tout simplement que le roue cool, bah, il voulait pas rentrer. Genre, je faisais de mon mieux. Et il n'y avait pas moyen qu'il rentre dans la Pokéball quoi. J'ai balancé 6 Pokéballs, il était à 2 HP. Et... non. Donc voilà, voilà. Il faut aussi savoir que j'ai tenté le premier dresseur de l'arène juste pour voir à quoi m'attendre le niveau en fait de l'arène. Donc ils sont environ au niveau 11, 12. C'est pour ça que je vais essayer de farm un peu pour monter le Roukou minimum niveau 11. Éviter de me faire poutrer quoi, parce que le premier dresseur m'a mis vraiment mal. J'ai su l'avoir mais vraiment de peu quoi, semblant que sa belette s'était brûlée. Pour moi en plus je m'attendais à des roucoules tu vois, des racailloux au lieu des sabelettes. Donc j'étais vraiment bien surpris. Voilà. Allez tornade, tornade. Bon au pire je pense que je vais tenter au moins les petits dresseurs quoi. Non pas ça. La communauté, ouais, il est quasiment cool. Ok, j'ai tenté au moins les premiers dresseurs, histoire de prendre un peu d'XP. Je sais qu'il y a pas mal de monde qui les esquive et je trouve ça assez bête, tout simplement que ça donne masse XP quoi. C'est gratuit, pourquoi s'en priver, honnêtement. Enfin, moi c'est mon avis quoi. Alors, attendez juste 2 secondes que j'aurai quelque chose. Voilà, désolé. Donc on va aller voir Pierre, ou plutôt Tarsec, comme il est marqué sur ce panneau. Oui, je sais, c'est assez bizarre cette version. Alors. Attends, il n'y a qu'un dresseur. Ah, mais du coup, je peux vraiment pas voir quoi. Monsieur Mister Tarx. Ok. Très bien. Je sens que je vais faire poutrer. Je sais même pas ce qu'il a. Oh là là, les bugs. C'est moche. C'est moche. Les musiques, elles se superpositionnent là. C'était dégueulasse. Ok, 2 contre 2. Un caillou. Ok. En fait, racaillou, pierre. Ouais. Quoi? Il me semblait que tornade c'était super effectif, non? Oh, pour le coup, je me fais niquer en fait. Parce qu'il a que ça. Ah putain, moi je pensais que tornade c'était effectif. Oh la blague! Oh la blague! Oh mais je vais tellement en prendre cher! Oh la blague! Oh là là. Oh la blague. Oh là, je vais fous le jeu de sable. Hein. Ah putain, il monte sa défense en plus. Mais genre comme si c'était légal. Ah ouais, non mais il a monté à bon. Ah putain, mais je vais me faire exploser quoi. Enfin, il faut que je farme un ratata, une fois dans le genre. Y'a que ça ici. Est-ce que les attaques flammes font quelque chose? Un minimum, s'il vous plaît. Putain, même pas quoi. Ah, il est brûlé, youpi. Ah bah non, il a utilisé un. Putain, en fait là je suis mort, toutes mes attaques ne sont pas effectives.
Bon, c'est pas si dégueulasse que ça en fait, la tête flamme. Peut-être c'est la moins pire. Je dis pas moins pire. Mais... En fait, ouais, non, mais là c'est du n'importe quoi cette arène. Oui. Non, je peux changer. Ah, mes oreilles. C'est pas légal. Ok, ouais, c'est pareil. Tolérance. Je sais plus ce que ça fait. Il me semble en fait qu'il va me burst d'un coup. Ah, pour baisser son attaque. Parce que... Oh, ouais, mais ça marche son attaque. C'est tout ce que je peux faire, je pense. Hein. Ah, ouais, il faut que je limite la casse. Hein. Ah, il faut que je limite la casse. Ah, je suis en train de tryhard sur le premier champion, quoi. Et je me fais genre exploser. Oh, ça fait trop mal, je vais perdre. Ça, c'est certain, là, je vais perdre. Ah oh, le critique. Ah, il va m'avoir. Ah, il m'a pas. Ah, peut-être moyen de lui mettre une attaque crit. Le brûler, s'il vous plaît. Wow. Non. Oui. Oui, la double attaque qui passe. Mais c'est juste magique. La double attaque. Ouais. C'est moi, on vient d'entendre deux fois comme quoi j'ai gagné. Ok. Skill machine. Je comprends rien. Oui, mon... Ah, c'est la tolérance. Ouais, le truc, ouais, d'accord. Ok, on s'en fout. Merde. Voilà. Voilà, donc, on a battu Tarsec. Bordel. Et honnêtement, on a juste eu un max de cul, quoi. Plus chanceux que ça, tu meurs. Dun 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 dun. Eh ben. Aller par contre. Par là, c'est où? C'est quoi là-bas? Non, c'est un musée ça. Non, je m'en fous du musée. Par contre, c'est vraiment dommage que le jeu ait traduit à moitié. Simplement que ça me fait légèrement galérer en fait. Et c'est bien dommage. Ouais, je pense que c'est là-bas. Ouais, c'est là-bas. Même le gamin qui m'avait dit dégage. Salamèche en premier. Hein. Ici, c'est juste massacre. Ok. Ouais, c'est ça, c'est juste massacre ici. C'est tous des captureurs.
petit insecte. Oh le carnage. Ah ça c'est fait. Suivant. Non je veux pas changer. Hop, Aspico. En parlant d'Aspico, c'était pour l'épisode de Yakiponk sur la page Facebook d'Ivasound qui avait une vidéo assez marrante. Tu voyais un florizard, c'était un crapaud quoi. Ils avaient mis un décor de florizard avec la fleur et tout sur le crapaud. Devant un Aspico, et ils avaient mis la musique de Pokémon derrière, genre le crapaud a avalé d'un coup l'Aspico. C'était épique. Allez. Allez, free XP. Sinon, il évolue à quel level lui? Bon, mes souvenirs c'était 12. Ah, mes souvenirs sont vraiment ambigus quoi. Je pense que vous avez trouvé la brêle totale sur Pokémon. C'est pareil, je spam. Très bien. Il a l'air violent ton Rattata quand même. Pop Tart. Je connais pas. Parfum. Je connais pas. Ok, c'est chaud. Ils sont représentés à beau. Oh. Oh le bruit quoi. Oh, j'ai plus de vitesse que lui. Ça c'est intéressant. Poison Needle. Allez, génial. Ok. En fait là c'est juste du bash quoi. Tu prends l'XP facile. C'est bien. C'est cool. Peut-être que je pense à les soigner ou acheter des potions. Mimique. C'est pas grave, je te one shot quand même. Au revoir. Level 15. Gaze, c'est quoi ça? Ce qui est vraiment lourd, c'est que je devrais apprendre toutes les techniques. Oh, il est classe en sprite, t'as vu? Alors, Gaze, c'est quoi? Ah, c'est le truc que j'ai fait, c'est... pour baisser sa défense, apparemment. Attends, je vais lire vu qu'il me fait défense. Ouais, c'est pour baisser la défense. Ok. Il évolue à quel level lui? Honnêtement. Ok, par contre, je reviens en arrière. Juste me soigner en fait. Simplement que là, c'est un peu tendu. Alors, je vais passer au shop, vite fait, voir s'ils ont pas des trucs intéressants à vendre. Potion, ouais, ça c'est cool. Juste deux, on aura largement assez. Pokéball, j'en prends deux quand même. Ouais, le reste, je m'en fous. Moi, il y avait deux antiparas. C'est en bas. La musique de Pokémon, elles resteront gravées dans la mémoire, quoi. Vraiment emblématique. C'est... Et
pique. Ouais, j'esquive juste pour voir s'il y a un truc en dessous. Ouais, non, en fait, comme la duel au cas où. Juste pour l'XP. Éviter en fait, ça j'ai un souci que j'ai dans tous les Pokémon. Je suis un peu trop rusher en fait. Et des fois j'arrive à des arènes avec 2-3 niveaux d'avance. De retard, pardon. Et c'est pas cool. Je me fais exploser quoi derrière. Ok. Genre, il m'a attaqué mais il a porté l'attaque. Inisque, trop cool. Bah écoute, oui, on va changer, on va prendre l'autre trop cool. Tout simplement pour pouvoir expérimenter aussi un peu, qu'il soit pas trop jaloux quoi. C'est pareil, je sais pas à quel level il évolue en gros coups lui. Alors il faut savoir que Roukoul, c'est un Pokémon que j'aime bien. Parce que c'est un type vol assez sympa. Honnêtement, Roucarnage à la fin, moi je l'aime bien. Il a sacrément la classe en plus. Alors. Par contre, je vais essayer c'est d'avoir un type de chaque. Genre là, bah, j'ai directement starter feu, donc ça va. Après, il me faudra c'est l'électrique, eau, etc. Et ça, je sais pas encore quoi. En type électrique, c'est vrai que je vois pas trop où tu peux en avoir en fait. De souvenirs de tête comme ça, c'est parce qu'il court les rues quoi. Ce que t'as beaucoup c'est les types normal quoi. Les types haut ça va, c'est facile à choper aussi. Et après. Oh stylé. J'aime bien son sprite. Tu sais, ça me fait penser à une vierge de fer. Alors, Catap. Pareil, le Pokémon insecte, c'est assez spécial aussi. C'est hyper faible au début, mais après c'est violent. Alors lui, il sert à rien. Honnêtement, c'est juste la misère de monter un cri d'acier. À moins d'avoir le double XP, c'est la misère. Oui, oui, je comprends bien ce que tu dis. Ah! Lizard. Ok. Moi ça va me parcelle. Mais bon. Chacun son truc. Oh, il est classe. Genre il a pris genre 200 kilos tu vois après son évolution. Et il pète un peu le swag. On va prendre au coup le prochain parce que niveau 16 là c'est bon, il commence à être rodé là. C'est la mèche. Il commence à être rodé. Ça c'est cool. Ouais, un truc qui est chiant à évoluer, je sais pas si c'est déjà dans cette génération, si c'est les Pokémon à bonheur ou quoi, tu vois. Genre, Nosferapti en Nostanfer, hein. Faut avoir le bonheur au minimum, déjà c'est paradoxal. Genre le truc il évolue parce que tu lui tapes dessus, tu sais. Oh là là, l'acide devient dur. Allez, meurs. Critique. Yo 12. Sharpness, je sais pas ce que c'est. C'est un truc de charge quoi. C'est le Rattata tout à l'heure, il avait ça. Ouais, je l'esquive. Ça va servir à rien. T'as un pire fabec ça non? Il a qu'une évolution, ça j'aime pas. Des trucs à une seule évolution, j'aime pas. C'est pas du tout mon style.
Alors, on avance. Alors, je sais pas si j'ai au bon endroit du tout. Apparemment, oui. Ok, bon, je pense qu'on va se quitter là pour la prochaine étape. Au moins, on a su avoir Tarsec du premier coup, avec beaucoup de chance, certes. Et on a pu avoir notre fameux Reptincelle, ainsi qu'un gros cool qui commence à être pas trop dégueulasse. Voilà, voilà. Donc sur ce, je vous quitte et je vous dis à bientôt et à vendredi prochain.